recevez? Vous me recevez? Chut, là. Ah, silence. Pourri tout le temps, bon, c'est sans, ça commence à me gaver, ça. Un nouvel horizon. Tu vois? Le silence. Pourquoi on s'obstine à ça? C'est bouché, plus personne n'entend rien, ça marche pas. Vous me recevez? Vous me recevez? Imagine. Imagine, on arrête les machines là, silence. L'instant suspendu. Moment de la découverte du silence. Cet instant entre le moteur, ça tourne. Action. Moteur! Ça tourne! Action. Une mélodie sans silence, c'est rien du tout. Il faut lui donner un avant, un après, afin de mieux apprécier le voyage. D'ici, on l'entend pas. C'est fou cette fascination qu'a l'homme d'aller le plus loin possible, le plus vite possible. Aujourd'hui, c'est Mars. Mais demain, cette envie d'être les premiers à faire ci, les premiers à faire ça, son premier amour, son premier bisou, son premier pas. C'est un petit homme sur un long chemin. Et il ne reste plus que la nuit permanente, les étoiles infinies et la solitude immense. Ok, il faut y aller, on a 20 minutes. Ouais, 18 minutes. Au moins, j'aurais essayé quelque chose. Et ça, c'est déjà un luxe, essayer. Allez, faut y aller. Alors du coup ça c'est... Excusez-moi, ça c'est quoi ça? On va le voir, expliquez-moi. Non, ça ce sont les bruitages qu'on va rajouter au film. Super, très bien, bonjour. On peut écouter du coup? Mathias, oui, tu peux faire écouter à Monsieur Lafont s'il te plaît? Alors on a ça. Terre à Cometa 61, vous me recevez? Terre à Cometa 61. Bon, normalement ça va beaucoup plus vite que ça parce qu'il y a Cédric qui répond du tac au tac. Oui c'est bon, je vous reçois. Donc du coup, tu vas vraiment le faire comme ça alors? Ouais, c'est-à-dire qu'avec le décor, l'image, on a vraiment l'impression d'être sur Mars. Pourquoi on voit pas l'image alors? Bah c'est vrai ça, pourquoi on voit pas l'image là? Bah c'est vrai ça, pourquoi on voit pas l'image? On peut voir l'image s'il vous plaît? Elle est où l'image? Je n'en peux plus, je n'en peux plus, ils ont validé le sec, l'image il y a deux mois, j'ai besoin de faire un filage moi bordel. Il est 20h04, le direct est dans moins de 10 minutes. Appelle-moi Cédric, on va lui montrer son costume, ça va te détendre, s'il te plaît. Richard, est-ce que tu peux montrer à monsieur Lafont? Est-ce que Justine a appelé? François. Ouais, dis-moi, Stéphane. Non, on n'a plus beaucoup de temps, il faut choisir entre les deux visuels suivis, beaucoup plus simple. Bah alors le plus simple, on n'a plus le temps. Merci Stéphane. Dites-moi. Monsieur Lafont, je vous présente donc Richard Zammer. Pour moi, c'est le plus talentueux d'entre nous. Je suis ravi qu'on ait son talent pour notre film, enfin pour notre document historique, pardon. On s'est rencontrés sur une adaptation d'un texte d'Asimov, c'était il y a quelques années. Bon, bah alors on est sur un dispositif assez simple, un plan large pour couvrir toute la scène, filmé avec une caméra Mirror 16 mm. Un appareil utilisé principalement sur Apollo 12 pour enregistrer des données et réaliser des photos plan séquences du sol lunaire. Top, 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 top! Il est équipé d'objectifs de 5 mm, de 10 mm et de 75 mm de focale. Et pour l'objectif de 18 mm, c'est celui qu'on utilisera ce soir. C'est un grand angle. Oui, je vois très bien.
La cadence est de 1, 6, 12 images secondes en automatique. La vitesse de 1 soixantième, 1 125e, 1 500e et 1 millième. T'es là, toi? Mais ça fait 3 heures qu'on te cherche partout. C'est bon, les gars, j'ai la doublure avec moi, je vous l'amène. Suis-moi. C'est bon, t'as capté, t'as enregistré toutes les infos qu'on a données à Cédric? C'est bon, on est là dans 2 secondes, tu te calmes. Tu passes au raccord maquillage coiffure. Normalement, on n'aura pas besoin de toi, mais on sait jamais. Allez, allez, allez. Allez, les gars, on y va, tout faire. Sur Mars. Et un grand saut pour la France. Ce sont 3 petits sauts sur Mars, mais c'est fou. Une petite phrase comme ça, anodine, c'est plus compliqué à apprendre qu'un monologue. Tu veux que je te fasse répéter la phrase? Mais arrête. On n'apprend jamais en répétant. Ça tue l'instinct. C'est vraiment courageux, les acteurs. Parler devant des millions de gens comme ça. C'est pas une question de courage, Annie. Plutôt une nécessité. Mmh. Ouais. Si je ne fais pas ce métier, je meurs. Voilà le plus beau. Le scénario. Presque anodine. Tu oublies, tu t'adresses au monde. Ok, on va se faire une répétition. Donc, tu te souviens, tu sors de la capsule, tu descends l'échelle, tu fais 3 sauts et tu dis. Pardon. C'est qui, lui? Non, c'est pas ça qui est écrit. Non, c'est... Monsieur Lafond. Monsieur Lafond, voilà, c'est le chargé de communication du président de la République. Monsieur Lafond, Monsieur Lamar. Enchanté, je suis ravi. De même. Et tu dis... Chut. Ce sont 3 petits bons sauts. Non, c'est des sauts, c'est des sauts. Ouais. Okay. Chut, calme-toi. Allez, François. S'il te plaît, c'est relativement important ce qui se passe là. Pardon. Et tu dis... Ce sont 3 petits sauts sur Mars. Mais un grand saut pour la France. Parfait, super. Bon, comment tu te sens? C'est pas facile ce que François, tu me demandes. C'est pour ça que je l'ai demandé à toi. D'accord, t'es un chef, tout va bien. Restez avec nous pour avoir une idée. Après, on envoie tout au JT. Ouais. Et après, non, pardon. Excuse-moi, Magali, pardon, je suis désolé. On sort. D'envoyer les images. Vas-y, dis-moi. Il faut absolument faire un dernier filage technique au plateau avec la lumière. Pour la trace, Vlad, fais bot. C'est super. C'est parfait, les gars. C'est bon, c'est validé. Super, merci. Ensuite, il faut absolument, s'il te plaît, on fait une petite requête avec la doublure. Non, j'ai pas le temps pour la doublure. On est obligé, on a un problème. Les assureurs sont obligés à avoir une doublure au cas où il y a un pépin, s'il te plaît. Ok, c'est quoi le pépin? C'est toi le pépin? C'est pas très compliqué. Comme t'as vu, il y a la capsule, tu descends de l'échelle et tu fais 3 petits sauts. On va faire une répétition pour ça. Non, il n'y a pas besoin. Désolé, moi je veux bien l'avoir, la doublure, du coup, parce que. Très bien, du coup, on fera une petite répétition. Voilà, monsieur, merci. Tu viens ici, tu te calmes, tu souffles. Ouais. Tu vas passer chez Mathias, tranquillement. Tu vérifies les niveaux de mixage sonore. Sylvia, nous, il nous reste à aller au plateau pour faire les dernières marques au sol. Ouais, j'ai prévenu Denis, c'est bon. Et puis, on sera prêts pour Mars, hein. Allez, souffle. On a 10 minutes. Rassurez-moi, on sera prêts ou pas? Monsieur Lafond, je peux vous assurer qu'avec les images qu'on va diffuser, la France a de grands jours devant elle. Tiens, François. Ah. Merci, Diego. Pardon, juste. C'est quoi ça? C'est qui, lui? C'est Diego. Diego Morales, vous voulez un café? Non, ça ira. Je comprends pas, là. Mais pourtant, je parle français. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi un type qui est déguisé en dinosaure. Non, je suis en martien. Me parle comme un abruti, si vous plaît. Monsieur Lafond, c'est pour l'ambiance. Quelle ambiance? Ben, c'est pour déconner, quoi. On n'est pas là pour déconner, c'est super important ce qui se passe là, s'il vous plaît. Bon, vous voulez un café? Non, ça ira, merci. Un Mars? François. Diego. J'ai eu Justine au téléphone, elle peut pas venir. Pourquoi? Sa mère veut pas, il y a école demain, il y a rien à faire, François. Ah oui, c'est vrai. On y va. Monsieur Lafond, vous voulez que je prenne votre bardeau? Voilà. Vous voulez que je prenne votre veste aussi? François, vous en prie. Pardon. Tu suis, tu ventiles? Ouais. Richard, tu me dis? Ouais, ça va bien. 7! Plus devant. 7 minutes. Plus devant? 7 minutes. Vous vous rendez compte que ce qui est en train de se passer, ça va être vu en direct par des millions de gens? Plus personne regarde la télévision, monsieur. Si on rate cet événement, on sera la risée du monde entier. On frôle la guerre civile avec ces conneries, moi ça fait des mois que je dors plus. Mais si tu dors plus, c'est que t'as pas la conscience tranquille. Je suis en train de jouer mon boulot avec ça, là. Donc t'as peur de mourir, hein? On va être prêts, tout le monde, pour un filage. Ok, faut y aller, c'est maintenant. T'as peur de perdre ton travail? Et alors? Si t'as plus de travail, t'as plus d'argent. Et alors? Si t'as plus d'argent, tu
tu peux plus t'acheter à manger. Et alors ? Si tu peux plus manger, t'auras faim. Et alors ? Si t'as faim, tu peux mourir. Voilà. Donc t'as peur de la mort, c'est tout. Stéphane, il nous reste combien de temps là ? 6 minutes, faut y aller. Et on passe à faire le sujet sur l'équipe de France. Quoi ? On n'ouvre plus JT ? Non, on n'ouvre plus JT. Non, attends, vous êtes en train de me dire que quoi ? Les premiers pas d'un homme sur Mars, c'est moins important que les buts de l'équipe de France ? Statistiquement, c'est ça. On y va. N'est-ce pas, ça impressionne plus personne. Bon, ok, on récapitule. On va faire un dernier filage. Ça serait bien que vous soyez avec nous pour voir un petit peu la mise en scène. Vous écoutez le metteur en scène et vous regardez l'acteur. Quelqu'un amène Cédric ! You can slow down. Faites place, les amis. Je me présente, je m'appelle Tintin, à ma gauche, il y a Milou, à droite, on va où ? Il ne sait pas, on décolle vers Mars. J'aurais vraiment besoin d'un retour vidéo pour non, non, mais là, ça me va très très bien, j'ai c'est encore parfait. Rien fait. Cédric, comment ça va ? La pression monte un peu quand même, honey. Hé, hey, t'es un chef et c'est pour ça que t'es là, d'accord ? Ok. Donc tu vas te mettre en place, c'est historique ce qui se passe. Tout le monde en place, s'il vous plaît ! D'abord, on peut me dégager les 3 minutes, je sors là ! C'était 3 minutes, on va se faire un petit village, tu te calmes ! Silence ! Monsieur Lef, allez par là ! On va lancer la répète. Plus de fumée, s'il te plaît. J'y vais. Ok, Cédric, t'es prêt ? Oui, s'il te plaît. Attention. Okay, je veux que tout le monde me donne le silence maintenant. Machine à fumer, stop. Silence. Ok, Vladimir, à partir du moment où on ouvre la capsule, tu allumes le projecteur, là, qui est sur l'échafaudage, calmement, très lentement. Ce que je veux voir en premier, c'est l'ombre du cosmonaute sur Mars. D'accord ? Mathias, tu bruites en même temps. Hein. Okay. On est d'accord. À ce moment-là, Cédric, ça va ? Ce n'est pas très confortable. Ok, tu descendras très calmement de l'échelle. Un, deux, trois. Tu seras le premier homme à poser ton pied sur Mars. Je veux que le monde soit suspendu à ton pied. Okay. À ce moment-là, tu fais un saut, deux sauts, trois sauts, et tu me donnes ta phrase. Ok. Ok. Vladimir, Mathias, on est là ? Yes. Ouais. Tout le monde ? Action, répétition ! Terre Acometa 61. Vous me recevez ? Terre Acometa 61. Vous me recevez ? Coupez ! Yes ! On va avoir un retour sans visiter ! Voilà. Et on dit la phrase, ok ? François, ça te convient ? Oui, oui, c'est parfait, c'est très très... Okay, Richard, t'étais en train de filmer là ou pas ? Oui, je filmais en figure. Bon, bah c'est parfait, on pourra envoyer une petite vidéo à tes parents, t'es content ? On y va. Je sais pas pourquoi il s'acharne sur tout le monde aujourd'hui, mais t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi, c'est quand il a la pression, il devient méchant. Moi, viens avec nous, on regarde vidéo, on te vidéo, comme ça tu seras un petit peu plus concerné par ce qui se passe. Mathias ! Tout le monde a peu de silence ! Ce voyage, ainsi que les enjeux et les retombées directes pour la France d'une telle expédition vis-à-vis du monde. Le président de la République devrait par ailleurs s'exprimer plus tard, lui aussi, pour réaffirmer sa volonté de changement et de renouveau possible de par la grandeur, les savoirs et savoir-faire français pour redonner ses lettres de noblesse à une France admirée par le monde en cet instant mémorable. Pas trop. Fin de citation. Non. Silence. Alors, on me signale à l'instant que la navette vient de se poser. Alors, priorité au direct, nous allons donc... Action ! Oui, pour rentrer en connexion avec la navette Comète 61 qui... Terre à Cometa 61. Terre à Cometa 61. Vous nous recevez ? Ce sont trois petits sauts en l'air d'un homme. Mais c'est surtout un grand saut pour la France. Coupez ! Bravo ! Ça va, monsieur Lapointe, vous êtes soulagé ? Je vais rajouter un petit truc à la fin. Oui. Pour la spontanéité, le surtout, monsieur dit que c'était bien. C'était magnifique. Bravo. Bravo. Merci. Monsieur Lapointe, est-ce que tu peux me mettre par hasard l'image où je dis surtout ? Je vois les backups, puisque est-ce que je peux. Je vois les backups. Laisse-moi, s'il vous plaît. Tu peux aller chercher le camion ? Ouais. Je le mets dans le camion. Ok. Vas-y, d'abord. Diego ?
Ça te dérange pas, je fais une photo de toi dans le décor. Bravo, c'est super. Bravo, les gars. Excusez-moi, pardon, je voudrais faire une photo, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Tout le monde a signé l'accord de confidentialité. Oui, oui, c'est important. Super, merci. Tiens, ça te fait un souvenir.